Alors, qu'est-ce qui fait l'incroyable valeur d'un être humain? C'est la question sur laquelle je vous propose de réfléchir ce matin. Et pour commencer, je voudrais vous lire le psaume 8 qui s'émerveille de cet être humain dès sa naissance qui est un être absolument merveilleux. Psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, c'est par la bouche des enfants, c'est par la bouche des tout-petits que tu as fondé une vraie force en face de ton adversaire pour imposer silence à tout ce qui trouble l'ordre du monde. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu établis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que l'enfant humain pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu le couronnes de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors il y a dans le passage, dans un passage du livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, un passage qui nous dit la merveille qu'est l'homme aux yeux de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, celui qui t'a formé. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne tout pour toi. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, sois sans crainte, dit l'Éternel, je suis avec toi. Ensuite, je voudrais vous lire un passage dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 12, un passage où Jésus nous dit que même le moindre de nos cheveux a du prix aux yeux de Dieu. Jésus nous dit « Je vous le dis, je vous l'assure, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai ce que vous devez vraiment craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans le feu. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous ? Cependant, pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc absolument sans crainte. Vous valez plus qu'une infinité de moineaux. » Et puis ensuite, un passage de la première lettre de Jean au chapitre 4 qui nous rappelle l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. À partir du verset 16. Et nous, nous dit Jean, nous avons vraiment connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Voici comment l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et il n'y a aucune crainte dans l'amour, car l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte implique un châtiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous aimons, parce que lui, Dieu, nous a aimés le premier.
Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil bleu le cantique numéro 190. Les trois premières strophes de ce cantique, « Roi des anges, nos louanges montent-elles jusqu'à toi ?» Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou tout ce qui nous rend faibles et souffrants. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et de difficultés, mais aussi quand ils sont pleins de merveilles, de beauté, d'amour et de joie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de nous, tes enfants.
Pour réfléchir donc à ce qui fait notre valeur, on pourrait commencer par la base. Savez-vous de quoi nous sommes fabriqués ? Par exemple, je ne sais pas, une auto est fabriquée avec du métal, il y a du caoutchouc pour les pneus, il y a du verre pour les vitres, du plastique, du tissu, du cuir peut-être sur les modèles luxueux. Et nous, de quoi sommes-nous fabriqués ? Eh bien, l'être humain est fait de plein de choses et nous pouvons regarder dans un livre de science, un livre de biologie ou sur Internet de quoi l'homme est fabriqué. J'ai cherché donc les ingrédients qu'il faut, de même que dans un livre de cuisine, au début de la recette, il y a par exemple, il faut, je ne sais pas, 250 grammes de farine, 3 œufs. Eh bien, la réponse sur la composition de l'être humain nous est donnée pour un poids idéal, je ne sais pas ce que ça veut dire, de 71 kg 768 grammes, je ne sais pas, c'est peut-être un poids moyen. Il faut 55 litres d'eau, 12 kg 600 de carbone, c'est-à-dire de charbon en fait. Donc l'être humain, nous sommes faits à 9 dixièmes d'eau et de charbon. Il y a aussi 2 kg 100 d'azote, 1 kg et 50 g de calcium, 700 g de phosphore, c'est-à-dire quelque chose comme un petit sac d'engrais pour les cultures, 175 g de soufre, 105 g de sel de cuisine, 3 g de magnésium, 3 g de fer, l'équivalent d'un gros clou, et 1 décigramme de cuivre, c'est-à-dire à peu près une agrafe de dossier. Et donc, si on compte la valeur de cela, des pièces détachées qui permettent de constituer un être humain, eh bien, un homme coûte à peu près 12 euros. Alors, pour ceux qui sont plus légers que 71 kg 768 grammes, on doit pouvoir s'en sortir facilement avec 5 ou 10 euros. Pourtant, vous valez infiniment plus. C'est évident, par exemple, l'État français, la société, la sécurité sociale est prêt à payer extrêmement cher si vous êtes malade, par exemple, pour essayer de vous rendre une meilleure santé. Ou bien si vous êtes perdu en montagne ou dans la mer, l'État est prêt à envoyer des hélicoptères, des chercheurs, des bateaux, je ne sais pas quoi, pour vous sauver, vous ramener. Alors pourquoi est-ce que nous valons comme ça, même pour la société, des millions d'euros, alors que la matière de notre corps ne vaut pas grand-chose par elle-même? Alors la première idée, c'est que justement, nous ne sommes pas de la matière en vrac, mais nous sommes un corps vivant. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable que de la matière toute bête qui pourrait, des simples atomes qui pourraient constituer, je ne sais pas moi, une bûche ou un caillou, puissent être combinés pour former un être vivant. C'est encore plus prodigieux que ce corps vivant soit capable de penser, de rêver, d'écrire des poèmes, de composer de la musique, et même d'aimer, et même de prier Dieu. Tout cela à partir de matériaux tout à fait quelconques, qui, comme de l'eau, du charbon ou je ne sais quoi encore. Donc oui, le fait que cette matière soit aussi bien organisée, qu'elle soit vivante et capable d'aimer, tout cela lui donne déjà un grand prix. La deuxième idée, c'est que chacun d'entre nous est un modèle unique. Et c'est vrai qu'un modèle unique de quelque chose, ça vaut toujours plus cher. C'est toujours plus précieux. Or, chacun d'entre nous est d'une certaine façon unique. Même si nous avons un jumeau parfait, nous avons finalement le même patrimoine génétique, les corps se ressemblent, mais l'esprit, la personne, en fait, est particulière et absolument unique. Il existe un seul exemplaire au monde de chacun d'entre nous, et il n'y en aura plus jamais un comme nous. Alors à mon avis, c'est déjà un élément de réponse pour expliquer l'incroyable merveille que nous sommes, l'incroyable valeur de notre être, mais ça n'explique quand même pas, à mon avis, notre valeur infinie. Et donc je crois qu'il y a une idée en plus que l'on trouve souvent dans la Bible. En fait, je crois que c'est ça qui fait notre valeur formidable, c'est qu'il y a des gens qui nous aiment, et ça nous donne une valeur extraordinaire. Par exemple, on garde parfois dans nos affaires un vieux caillou ou un vieux pull à moitié troué, mais qui a une valeur à nos yeux extraordinaire parce que
Nous y sommes attachés, c'est un souvenir, il est précieux pour nous. Et c'est ainsi que nous avons une valeur infinie pour ceux qui nous aiment. Ces personnes, Dieu, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, notre meilleur ami, ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles nous aiment ? Elles nous aiment parce que c'est comme ça. Il n'y a pas forcément de raison particulière au fait qu'ils nous aiment. Et c'est ça qui est extraordinaire, car justement, puisqu'il n'y a pas spécialement de bonnes raisons pour qu'ils nous aiment, eh bien cet amour est plus fort que tout. Ou alors si nos parents nous aiment, eh bien rien ne pourra changer le fait qu'ils soient nos parents, ça ne pourra pas être mis en cause. C'est comme ça. Donc, il y a dans cet amour quelque chose de plus fort que tout. Ils nous aiment parce que nous sommes nous. Ils nous aiment avec notre personnalité, avec nos qualités, avec nos défauts. Et c'est pourquoi des parents n'aiment pas moins leur enfant quand il tombe malade, par exemple, alors qu'on pourrait dire que son corps vaut moins puisqu'il est moins en forme. Mais non, quand son enfant que l'on aime tombe malade, eh bien on l'aime pas moins parce qu'il est malade, bien sûr, c'est évident. Et c'est comme ça que l'on voit que des parents aiment leur enfant même s'il est handicapé, s'il n'est pas très en forme. Eh bien, les parents aiment leur enfant handicapé de la même façon que les autres enfants. Alors c'est vrai que nous avons une valeur en soi, nous avons la chance d'avoir une valeur en soi, particulièrement si nous sommes capables de réfléchir, de faire des choses bien, de faire de la musique, de créer de belles choses. Mais nous avons une valeur en soi, mais finalement nous avons une valeur encore plus grande, une valeur infinie aux yeux de ceux qui nous aiment. Mais alors, que dire de ceux qui n'ont ni famille ni amis en ce monde ? Personne pour les aimer, personne pour les regarder. Et malheureusement, ça existe. Il y a des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont plus personne. Et vous savez, il y a une association, Les Morts dans la rue, qui chaque année, deux fois par an même, essaye de penser quand même à ces personnes qui sont mortes de la rue et que personne ne connaissait. Et dans cette liste, c'est assez pathétique. On dit juste ce qu'il y a de marqué sur le papier de la préfecture de police. Il peut y avoir marqué Roger, 38 ans, parce que quelqu'un se souvient, peut-être un SDF à côté, se souvient qu'il s'appelait Roger. Mais pour certains, il y a juste marqué un homme d'une trentaine d'années. C'est tout ce que la société a pu se souvenir de cet homme, voilà, même pas son nom, même pas son prénom. Alors aux yeux des hommes, aux yeux de la société, il y a des personnes qui malheureusement ne valent plus grand-chose. Ils n'ont plus de santé, ils n'ont pas de place, ils n'ont même plus de nom aux yeux de personne, pas de fortune. Mais aux yeux de Dieu, ils ont et ils auront toujours une valeur infinie. C'est pourquoi c'est si important de prendre en compte cet amour de Dieu, car il n'y a que là qu'il peut y avoir le fondement de la dignité de tout être humain, même le plus abandonné. Comme le dit David dans le psaume 27, « Même si je n'avais plus mon père et ma mère pour m'aimer, il resterait, oui, toujours, l'Éternel pour me recueillir et pour me garder dans son amour. » Nous sommes donc aimés par Dieu. Nous sommes aimés par ceux qui nous aiment vraiment. Nous sommes aimés malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos difficultés à faire le bien, nous sommes tous comme ça. Eh bien, c'est ce que nous dit Jésus-Christ. Et c'est le sens du passage de l'Évangile selon Luc que je vous ai lu tout à l'heure. Vous avez une valeur immense aux yeux de Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés par Dieu. Et pourtant, des cheveux, nous en perdons des dizaines par jour. Et c'est même la partie de notre corps que l'on coupe et que l'on jette à la poubelle assez régulièrement. Dieu est donc attaché même à ce qui est le plus négligeable dans notre être. Jusqu'au moindre petit cheveu qui compte, eh bien Dieu y attache un prix parce qu'il nous aime incroyablement. Dieu nous aime donc jusqu'au bout de notre moindre cheveu. Il nous aime avec ce qui est bon en nous et avec ce qui est moins bien. Il saute de joie quand nous faisons des progrès, mais même quand nous ne progressons pas, il nous garde dans son amour. C'est cela, aimer.
sinon ça ne veut plus rien dire. Et donc chacun de nous a une valeur infinie aux yeux de Dieu et aux yeux de ceux qu'il aime. Cela, nous le savons, mais ce n'est pas simplement un savoir intellectuel, c'est une expérience que nous faisons très concrètement. Par exemple, quand quelqu'un que nous aimons, je ne sais pas moi, tombe malade ou se casse une jambe, du point de vue physique, du point de vue objectif, du point de vue scientifique, cette personne est diminuée puisqu'elle ne peut plus courir, gambader, sauter ou je ne sais pas quoi. Alors, on est triste pour cette personne parce que c'est intéressant d'être en bonne santé. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il se casse la jambe qu'on l'aime moins, bien entendu. Ça ne change absolument rien à sa valeur. Et si quelqu'un que l'on aime, je ne sais pas moi, a un problème d'argent par exemple, ou bien qu'il perd son travail, nous sommes tristes pour cette personne parce que c'est dur finalement à vivre. Mais cela ne change évidemment rien à la valeur que cette personne a pour nous, évidemment. Alors c'est vrai que la santé du corps est très précieuse pour nous. C'est vrai que notre place dans la société, les moyens dont nous disposons, c'est important car ça nous permet, je dirais, de nous exprimer, d'agir et puis de nous épanouir. Mais là n'est pas notre valeur, là n'est pas notre infinie valeur. Et toute personne a donc une même dignité, infinie, radicale, éternelle, car elle est ailleurs que dans ces choses-là. Ce n'est pas seulement une belle idée abstraite pour nous rassurer face à la fragilité, finalement, de notre existence en ce monde. Mais c'est vraiment un fait d'expérience. La valeur infinie de la personne humaine est de l'ordre du spirituel. C'est ce qui fait la valeur pour nous de toute personne que nous aimons vraiment. Et c'est pour ça que toute personne que nous aimons vraiment est irremplaçable à nos yeux. L'infinie valeur de la personne humaine est de l'ordre du spirituel. L'Évangile dit vrai. Et Jésus a raison de poser cela comme la base de notre théologie et comme la base de notre façon de comprendre notre existence et de comprendre notre rapport aux autres. Parce qu'en fait, dans un sens, c'est parfois évident que la vraie valeur est de l'ordre du spirituel, mais parfois c'est moins évident. Par exemple, quand nous aimons quelqu'un, nous arrivons tout naturellement à regarder cette personne que nous aimons en étant vraiment sensible avant tout à cette dimension spirituelle et à trouver dans cette dimension spirituelle sa vraie valeur, sa profonde valeur, c'est ce que je vous disais. Mais dans notre façon de regarder notre propre valeur à nous, nous avons souvent plus de mal, tellement nous avons besoin de nous rassurer dans les choses visibles, dans les choses matérielles. Nous avons bien plus de mal à avoir cette sagesse, et pourtant ce serait essentiel. Il suffit que nous fassions une faute, il suffit qu'un problème arrive à notre corps, que nous ayons je ne sais pas quoi, un bouton sur le nez, ou que nous ayons un problème dans notre vie, ou je ne sais pas, et bizarrement, nous sommes désespérés. Eh bien, ce n'est pas raisonnable, car si la même chose arrivait à quelqu'un que nous aimons vraiment, nous ne l'aimerions pas moins, mais absolument pas moins du tout. Au moindre problème, nous avons l'impression d'être nuls et que notre vie est ratée. Alors que c'est faux, c'est évidemment faux. Et donc, c'est pourquoi je crois qu'il est essentiel de bien entendre cet appel de Jésus-Christ à se recentrer sur la grâce de Dieu, sur cette infinie valeur que nous avons par ce regard d'amour qui est porté sur nous. Il est essentiel de bien prendre conscience de l'amour dont nous sommes aimés, en particulier cet amour de Dieu que rien ne pourra nous ôter, mais aussi l'amour dont nous aiment ceux qui sont autour de nous, notre meilleur ami si nous avons la chance d'en avoir un, une famille, si nous avons la chance d'en avoir une. Mais de toute façon, éternellement, ce Dieu qui nous aime et qui nous garde. Et nous devons puiser dans cet amour, dans cette prise de conscience de l'amour, une vraie conscience de notre dignité, de notre valeur infinie, du prix qu'a notre être, notre vie, notre journée qui s'ouvre devant nous. Cette prise de conscience, c'est une gymnastique en fait. C'est quelque chose qui s'entraîne.
c'est une ouverture sur la dimension spirituelle, une ouverture à Dieu, en fait. Nous pouvons alors recevoir la conscience de l'immense valeur de chaque personne que nous avons croisée dans notre journée. Telle personne que nous aimons, mais aussi telle personne qui a été pénible, telle personne qui a été nulle, et que nous voyons autrement, nous découvrons qu'elle n'est pas si nulle que ses actes nous permettraient de le penser. Et souvent, cela nous aide à aller mieux. Dieu peut alors calmer un peu notre tristesse, notre colère, notre déception. Et nous pouvons aussi penser à dire un peu plus souvent à ceux qui nous entourent qu'on les aime, si on les aime, ou bien qu'on les respecte au moins, qu'on essaye de les comprendre et qu'on commence déjà à les comprendre un peu. C'est tellement important de dire aux autres notre amour et notre respect. Parfois, un simple mot peut vraiment aider quelqu'un à prendre conscience de sa dignité, de sa propre valeur, et d'avoir ainsi une certaine reprise de confiance en soi et confiance dans la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Mais c'est vrai, nous avons du mal à vivre ainsi, et nous sommes souvent déprimés et méprisants pour les autres. Alors comment faire pour que le spirituel, l'amour, le respect orientent un peu plus notre façon de voir notre être, notre existence et les autres, et puis d'en vivre très concrètement? Il faudrait un miracle. Mais les miracles existent. D'abord, la preuve, chacun de nous est un miracle incroyable. Eh bien, Dieu peut faire ce genre de miracle. Que peut-on faire sans l'aide de Dieu? C'est comme si on nous donnait 71 kilos 768 grammes d'eau, de charbon, d'azote, de clous, d'agrafes de dossier, de je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que nous serions capables d'en faire? Même si nous nous mettons gentiment tous ensemble au travail pour en faire quelque chose, nous serions déjà bien débrouillards d'arriver à faire une statue un peu jolie ou au moins un peu rigolote avec ce tas de charbon, d'eau et de plâtre et de je ne sais plus quoi. Dieu, lui, il a eu l'idée, et il l'a fait, de créer à partir de ces matériaux quelque chose d'unique et d'une valeur incroyable, nous. Une personne vivante, avec un cœur, avec un cerveau, avec une personnalité. Eh bien, c'est une première étape. Il y en a d'autres qui suivent des étapes. Dieu peut encore nous aider à évoluer. Il peut faire ce miracle. Il peut nous faire devenir de plus en plus une personne qui est bien, une personne capable de nous aimer les uns les autres, comme le dit Jésus, de nous aimer les uns les autres comme lui, Dieu, nous a aimés. Dieu peut nous aider non seulement à comprendre la valeur de la vie humaine, mais à vivre selon cette vraie valeur, que cela nous porte sans mépriser pour autant le matériel qui fait partie aussi de la beauté de la vie et de notre être, mais au contraire en rendant vivant et vivifiant ce matériel qui est aussi une dimension de notre être. Que notre être, aussi par son côté, par son corps, par son argent, par sa place dans la société, puisse être source de vie, de bonheur et de respect. Alors la Bible n'est pas un livre de biologie qui nous donnera la composition du corps humain, mais elle parle de ce qui fait l'infinie valeur de la personne humaine, c'est-à-dire de Dieu. Elle montre comment Dieu peut nous aider et peut faire des miracles dans notre vie. Et Dieu n'a pas économisé pour mettre dans notre vie cette valeur supérieure qu'est son esprit. Il nous a donné Jésus-Christ uniquement pour ça. Seigneur, que ton règne vienne, en nous comme au ciel. Amen.